Eh bien, chers frères, bienvenue dans cette bonne vieille paroisse du Racing Club de Lens. Bienvenue pour célébrer la messe dominicale de Pâques. Ensemble, nous allons prier. Amen. Bonjour, mon enfant. Bonjour, mon père. Que voulez-vous dans cette bonne vieille paroisse du Racing Club de Lens, mon enfant? Ben voilà, mon père, je suis venu ici pour me confesser. Vous confessez? Oui. Mais qu'avez-vous fait, mon enfant? Alors voilà, mon père. J'étais parti en vacances dans un club très très sympa, le Lucia Kineta. Et puis là-bas, il y avait plein de fiers vacanciers. Il y avait Yannick, oh oui Yannick, il y avait Sylvain, oh oui Sylvain, il y avait Lucas, il y avait Baptiste, il y avait Maxime, il y avait Hervé. C'est bon. Avait... Continuez mon enfant. Il y avait Yvan. Non, non, non. Continuez votre histoire mon enfant. Ah, d'accord. Ben voilà mon père, j'ai couché, voilà. Vous avez cédé au plaisir charnel? Oui, pardonnez-moi. Mais nous sommes tous des brebis égarés dans l'ombre de la vallée de la mort. Jésus, si tu bouges encore une fois, je t'épile les aisselles. Très bien, mon enfant. Continuons la messe. J'ai pas tout à fait fini mon histoire, en fait. Il semblerait que Jésus s'est épilé les aisselles. Mais pas le nombril. Je vous écoute, mon enfant. Continuez. Oh, voilà, dans ce club, il y avait aussi des animateurs. Ils étaient là pour nous divertir. Et ils m'ont diverti. Voilà, mon père, je t'en prie, pardonnez-moi, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Vous avez couché avec tous ces animateurs? Oui. Mais c'est impossible. Ils ont fait vœu de chasteté. Très bien, mon enfant. Pardonnez-moi. Je vous lave de vos péchés. Ah oui, lave-moi. Très bien. Continuons notre messe. Oui. Amen. Mais enfin, mon enfant, qu'est-ce qui vous arrive? Voilà, mon père, en fait, je ne vous ai pas encore tout dit. Il y a une dernière chose. Voilà, en fait, j'ai un fantasme. J'ai toujours rêvé de coucher avec un homme d'église, avec un homme comme vous, en fait. Ah oui, merci. Mais enfin, je ne peux pas.